Cette semaine, je vous invite en plein cœur du centre du Québec afin de découvrir un parcours vraiment accessible, que vous veniez des régions de Québec, de Montréal ou de l'Estrie. Bienvenue au Club de golf Victoriaville. Le Club de golf Victoriaville fêtera ses 75 ans en 2019. Et pendant longtemps, ce club a été privé, mais aujourd'hui, c'est tout autre chose. Il est ouvert au public. Effectivement. Depuis plus de 20 ans, le terrain est ouvert à tout le monde et à nos membres, bien entendu. Alors oui, c'est un terrain semi-privé. Puis les golfeurs qui arrivent ici pour la première fois, à quel défi de golf on s'attend? En apparence, il peut avoir l'air très facile, le terrain. Les sous-bois sont tous nettoyés, mais ce sont nos verres qui sont les difficultés ici. Les nombreuses trappes, au-delà de 67 trappes qui protègent en grande partie les verres. Alors, c'est là que ça se joue principalement. Avez-vous des trous coup de cœur ici, qu'on dit des trous signature? Le trou numéro 17 est un super par 3, quand même pas très facile à cause de sa longueur, au-delà de 180 verges sur les jalons blancs. Rivière Nicolet du côté gauche, un verre bien protégé par des grandes trappes également. Alors, il est surélevé, donc c'est un trou signature, mais un trou qui est quand même pas facile non plus. Un autre trou qu'on pourrait peut-être qualifier de signature, c'est le trou numéro 15. C'est une autre normale 3, à peu près de la même longueur que le trou numéro 17. Relativement difficile, surélevé également, bien protégé par les trappes. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fond de toile, on retrouve la montagne qu'on appelle le Mont Saint-Michel, le Mont Arthabaska. Alors, c'est un beau layout. Le Club de golf Victoriaville a dans ses priorités d'encourager les femmes et les juniors à jouer au golf. Pouvez-vous nous parler de quelques initiatives que vous avez prises ici? Absolument. En lien avec l'étude qu'il y a eu récemment sur l'industrie du golf, nous, on a décidé d'offrir gratuitement des cours aux enfants et petits-enfants de nos membres tous les samedis matins. Il y a 8 cliniques comme ça qui sont déjà débutées. Et également aux dames. On veut que les dames puissent encore mieux performer. On sait qu'elles se sentent mieux sur le terrain si elles performent mieux. Donc, on a 8 cliniques qu'on offre à nos membres féminins tout au cours de la saison. Et on en a également 2 pour nos membres masculins. Donc, on veut vraiment que les gens deviennent meilleurs. Puis quand on est meilleur, bien, ça nous tente plus de jouer. Et puis peut-être une dernière manière de venir découvrir le club de golf Victoriaville, c'est sans jouer au golf, en venant essayer simplement la terrasse et le restaurant que vous offrez ici. Absolument. Notre terrasse, elle surplombe le verre du 9e et du 18e trou. Et elle est là depuis 4 ans maintenant. Et puis, on a beaucoup de compliments par rapport à ça. Puis c'est vrai que c'est agréable de prendre une consommation sur cette terrasse-là. Et puis en terminant, M. Dano, en un mot, comment décririez-vous le club de golf Victoriaville? Un mot, ambiance. OK. Oui, on aime recevoir les gens, on aime ça la visite, puis on en prend soin, on prend soin de nos membres, on veut que tout le monde soit heureux. Alors, ambiance, je pense que ça résume bien. Alors, on vous souhaite beaucoup de visites en 2016. Merci beaucoup, Marie-Christine. Merci.